qu'il y en a une autre saison? Non, c'est toujours chaud comme ça en Syrie? Est-ce qu'il y a de la neige comme ça ici en Syrie? Oui, il y a le froid. La plupart des élèves qui sont ici cette année viennent de camps de réfugiés. Il y en a qui sont même nés dans les camps de réfugiés. Ils ont vécu toute leur vie, ils ont connu que ça. Ragad avait beaucoup de chemin déjà de fait pour ça parce qu'elle connaissait, en plus de l'écriture arabe, elle connaissait aussi notre alphabet et notre écriture. Alors, elle a pu intégrer le reste du groupe, puis suivre là où on était rendu. Roua, veux-tu y aller? C'est quoi? Un lièvre? Oui. D'accord. Quatre pattes. Il y a une queue. Une queue. Une queue. Bravo. Et c'est surtout épatant de voir ce qu'ils accomplissent en un an, parce qu'habituellement, ils passent un an avec moi. À leur arrivée, souvent, ils disent bonjour, c'est à peu près tout. Puis quand ils quittent et ils parlent avec tout le monde, avec les Québécois, ils se sont fait des amis. Elle sait lire, ça va bien. Elle ne comprend pas ce qu'elle lit, là, mais elle est capable de décoder. Est-ce que tu aimes l'école, ma belle, ici? Oui. Oui? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup à l'école? Madame Rina. Madame René. Madame Anne. Madame Anne. C'est une autre enseignante. Les amis? Oui. Les amis. Les parents, mais ça fait toujours comme ça. Les parents ont de la francisation aussi, mais je dirais que les enfants, c'est comme des petites éponges. Ils apprennent très rapidement, puis ils se mêlent facilement aux Québécois. C'est un peu les enfants qui jouent le rôle des parents. On dirait, quand ils arrivent ici, là, j'ai des mamans qui viennent. « Est-ce que je peux amener mon enfant? J'ai un rendez-vous à l'hôpital, je comprends rien. » Alors, les enfants, souvent, ils prennent leurs parents dans leurs bras, puis « Viens, moi, je le sais. Je sais comment faire. » طبعا بعرف بدي انا يتثقف يعني لانه انا ما درست بندم حالي كثير كنت اسعد العب الحق الاولاد شغلات يعني ضد كثير هلا يعني جواز انه نضل بيركين ويتعلموا يعني وان شاء الله نضل بهالبلد ان شاء الله يعني ويتعلموا اللغه الفرنسيه ويدخلوا مدارس جامعات مثلا هون يعني يصيروا المستقبل يعني thing that we'll need is your proof of language proficiency so that could be for example the TOEFL or IELTS test. Ultimately, one of the reasons why we have the test is to make sure that you're not going to be disadvantaged. هلا بس لك تاخذ التوفل بدها تكلفنا 2000 هدول ما كنا حاسبين حسابهم نحن كنا مفكرين انه تجي تدرس معنا فرنسي والمصاري بيعطونا بالفرنسي بكفونا مثلا طلع ايجار البيت بعدين شو ما اشتغلنا ونطلعك لنا شغلنا هلا طلعت لنا هاي الشغله 2000 دولار 2200 بتكلف 2200 دولار بس لحتى تاخذ التوفل حتى يحسنوا يقبلوها بالجامعه الو فادي كيفك فادي منيح كيف احوالك سوري عم بزعجك Ça, c'est pour enregistrer les familles à un cours de français à temps plein. C'est ça, c'est-à-dire à l'immigration Québec. Ça, c'est le web. Il faut que je le fasse. Oui, exactement. Non, c'est pas automatique. Il faut que je les fasse une à la fois. اللغة أول شيء زعجتنا إنه ما كثير عم نعرف نحكي فهالفترة اللي بدك تعديها بين إنه ليصير دورك بدورة اللغة وتتعلمي فرنسي في ضغط مادي كثير علينا بهالوضع يعني هذا اللي زعجنا
كنا مفكرين أول ما يجوا الأولاد بيعرفوا إنجليزي ممكن دغري يشتغلوا. Comment ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle... Salut! يعني أنا أنه قبل بالمدرسة أخذين شوي فرنسي. بظن أنه ما راح تكفي. صراحة ما بعرف أنا بعدني طبيعة الدروس اللي راح ناخدها يعني شو هي. بس أنه شيء يكفينا لنتعلم. إيه إيه أكيد. يعني لما بشوف الناس عم تحكي بلغة وأنا ما عم بفهم هاي اللغة يعني قول لحالك كيف بدي اتحرك كيف بدي اروح على المول اشتري اغراض اي شيء Oui, c'est angoissant. Moi, j'appelle ça l'infantilisation. On devient des enfants parce qu'on commence à apprendre comme quand on était enfant. Donc on commence du tout début à apprendre l'alphabet, apprendre à parler les premiers mots, la salutation, tout ça des petits mots de base. Et c'est sûr que c'est très angoissant pour une personne parce qu'ils se trouvent dans la rue et ils ont peur, ils sont très craintifs. Veux-tu refaire l'alphabet? A. A. B. B. C. C. D. D. Ami. K. Friend. Ami. Oh, oh. Friend. Ami, friend. Oui, oui, oui. Ami. Donc, j'ai visité des amis. Oui, j'ai visité d'amis. J'ai visité d'amis. Des amis. Des amis. Amis. Mon but, c'est vraiment de leur apprendre les bases du français. Je pense que ça va leur rendre plus confiant de pouvoir sortir et aller au magasin, aller interagir s'il y a un voisin qui leur parle. Nous, étant donné que nous avons immigré, j'ai vu le cheminement que mes parents ont dû faire. Pour mes parents, ben, surtout ma mère, c'était plus difficile parce qu'il y avait une barrière de langue. Puis l'an passé, quand on a entendu parler de la situation syrienne, j'avais le goût de pouvoir aider. Les mots que j'ai appris, ça m'aide beaucoup dans la vie.